Deuxième invitation. Merci parce que vous avez ébélé à Kosuk Sanabiso, semaine Oyo, vendredi 4 août 2023. Boza na Kinshasa, tous en direct en République démocratique du Congo, cette capitale, il y a francophonie. Et dans quelques jours, ça sera la fin, justement. Il y a Masolo, on a 9e jeu, il y a francophonie. Et tous en Essengo, il y a été Boza Ebele, il y a quoi apprécier d'ailleurs ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. Alors, émission, il y a beaucoup d'allélo, tous en Kozonga le 1er août, Boebi le 1er août. Eza, journée fériée, Awana, RDC, journée, il y a bah, parents vivants, tout comme décédés. Mais en même temps, la journée, Wana, ordonnance présidentielle et Tangamaki, la télévision publique, bah, lobby que président de la République en dehors, il y a qu'au nommé certains mandataires, na, bah, entreprise publique, Anomaki, deux personnalités, il y a Liboso, conseiller spécial, Naye, en charge, il y a sécurité, professeur, Jean-Louis et Sambo, et deuxième moment, a été nommé Daniel Lusadissou, Kiamba, Yende, Kiambi, pardon, Yende, Aza, Kokamba, Sikaoyo, ANR, Agence nationale, il y a renseignement. Alors, et Memaki, justement, Masolo, Oyo, il y a qu'on réfléchit, autour, il y a vision sécuritaire, justement, il y a République démocratique du Congo, il y a gouvernement, il y a RDC, pourquoi ces changements à la veille des élections et pourquoi le président de la République à Simbi, CNS, Conseil national, il y a sécurité, à Simbi, PANE, alors ces services secrets, ces services d'intelligence, Moussala Nango et Zanini, importance Nango par rapport à la vie à la nation, pays à pouvoir même, Yango réflexion tolinko sala et longo na Edi Yenikumo, professeur et à sciences politiques na UPN, Université Pédagogique Nationale, professeur Mbote. Merci allumer le micro na yo, justement pour na kozoasson et malam, voilà. Ok. Mbote mingi kumo Jacques, mbote mingi na baiba kulanda biso, na pesi bana ya changu, bana ya njili sika bozo mbozo mbote, bana ya kimbanteke, tika na beta mwambi la moke na maimako leka na kimbanteke, tango sulo baka ete, na nzela ya mokali, nzela penyeze ete, wukumona batubale kimi, kanzele kwe moke mingi kuleka, esengeli gouvernement provincial, tope national, batala likambo ya nzela ya mokali, kuma labor, kuma agrandir la voie, mais également, construire tronçon ko banda kibunda tina ngambu ya pont nzela li complètement délabré sans parler na babilo ko na changu voilà to ko singa na gouvernement ça la vraiment na ewana regardant pour na makambo itali kimbante ke ko tala penzela ya kimbante ke cimetière nzela ya ya mikondo banzela bile bile nzela ya nzoko nzela ya matankumu. Parce qu'il n'y a pas de voie, non seulement secondaire, mais il faut que tout le monde soit là. Vous avez du mal, il y a comme il y a d'autres invités retenus. En tout cas, vraiment la difficulté, il y a qu'on rejoindre Abisso à Wana Plateau. Alors, professeur, service secret, service de sécurité, les amis d'abord dans l'architecture, il y a un État. Bon, vous savez. C'est un service, je dirais, hyper important pour le bon fonctionnement de l'État dans ma domaine et surtout, et orienté à prise et à décision politique. Et pas un abus sur le Kobobengi ANR. D'abord, pour définir vision sécuritaire, il y a des éléments où il faut prendre en compte. D'abord, il y a l'élément géopolitique, côté la géopolitique Nabino, côté la. Sur le plan géostratégique, donc là je vois pratiquement la géoéconomique. Un côté là, ça me ramène à ce que vous produisez, ce que vous avez dans le sous-sol, Nabino, comment vous orientez à Kayango, Bino, le Kola Congo, en Afrique, vous allez appeler à jouer un rôle, Nini, tout côté là, culture Nabiso. Culture dans la diversité, na yango politique, culture dans son total, Nabiso. Et tout côté là, histoire Nabiso. Tous les peuples, les Congo, tous les
Il y a aussi des obligations hein, qui pèsent sur le Congo, au-delà de ce que nous vivons. Il y a des obligations. Il y a Mibablo comme sous au Congo a signé. Comment ces engagements-là pèsent sur les Congo. Donc, on prend compte il y a des éléments, géostratégiques, géopolitiques, des éléments, locaux, géoéconomiques, des éléments culturels, politiques, donc socio-historiques. Il y a des facteurs pour aider, pour définir vision sécuritaire. Maintenant, dans la sécurité, il y a l'Agence nationale et il y a renseignement. Cette agence, c'est que ça, là, contre-espionnage, extérieur na intérieur. Ailleurs, comme on a séparé le contre-espionnage extérieur, na contre-espionnage intérieur. On a coupé ce qui est aux États-Unis, au Bazalakana, FBI, na. CIA, donc on verra CIA. CIA est allé pour un contre-espionnage extérieur. CIA, Libanda, Libanda FBI, Nakati. Mais Bisso, ANR, de l'Agence nationale, il y a renseignement, et Zouabelema Mibalewana. Renseignement intérieur, n'a renseignement extérieur. En réalité, Bandeko, Yuba Sengeli, on a pas d'abord comme il y a renseignement extérieur. Et c'est un bazar. Important, c'est le comment comme vous avez dit. Bah, on a renseignement intérieur, c'est-à-dire na kati. Il y a écolo. Moussa n'a pas encore vous avez dit. Bango Moussa n'a pas encore vous avez dit ba mouvement et que salema. N'a pas secteur nion soya vie. Koye ba, le lengeni ni bato ba ko kanisa. Pour n'a qu'orienter décision à ba konzi. Koye ba, le lengue, parce que, en interne, il peut causer la babilo koloko la babilo kote kaka drogue, moi babilo koloto kaki babilo koya kote kaka organe. C'est l'honneur né à cause l'été parce que aner azali policité, azali gendarmerie. Donc aner azali à cause la mosala oyo quand mosu au delà y a la police, mais azali peut cause sunga été police azali efficace. A Kosunga gouvernement a zwa ba décision de manière rationnelle et anticipative. Donc anticiper ba action mosusu. En interne, toko ki lelo, aner a ko veye même sur le plan économique. Koye ba, comment les acteurs ba da ko se comporter. Il peut y avoir un acteur interne, le collègue entrepreneur, qui veut tout simplement saboter ba action et gouvernement. Donc l'aner peut aussi. Le pourquoi de certains actes, de certains discours. Pour étudier en gros, qu'on pèse à l'oco la conseil dans le gouvernement, qu'on pèse à l'orientation pour la prise de la décision. Est-ce qu'on peut appeler ça un service laboratoire? Pratiquement, il y a un État ou un régime. Bien évidemment, c'est vraiment les laboratoires. Donc, il y a un peu à cause en interne même. Tolingita no mosu to mona katolingito nomé de ko Jacques Loko la DG à ya RTNC. Là en réalité aner azwakana nom de ko Jacques alinga e bande ko Jacques auta wapi azanani asala kanini avant na ka wapi. So que comment loko de babaka o mona mokonzi amboka nomé général la Sia Koufa. Hein? Ezali pe mon kona bere a kolobe été apparemment notre renseignement ne fonctionne pas. Ou soit mokonzi akoyé baté ko travailler de mèche. Na aner. Parce que les services moi qu'on dépendre, c'est pas pour rien que service ça peut dépendre à kanayi. Ils allaient pour la cosa l'été action na ezale efficace. Bon on dit ba koyeba cosa là contre espionnage pa bande ko Jacques Azali wapi azanengenini est-ce que Azali penza din na poste oyo mais yango bande ko bengage quand en 83 le maréchal Mobutu a créé SARM service d'action et les renseignements militaires ba bien on va service d'intelligence est-ce que ba kombo ebele donc a cosa la mosala na en interne a koyeba le lengenini mokambi mokambi o na secteur oyo a kokanisa. Hein? Okay. Le lengeni niye pe a ko linga ko contribuer. Est-ce qu'a linga bebi sa mosale ambokate? Ko eba même expatrié. Mosale ni ba ko sala. Tamo mosu mosu zali de mèche na ba. Bon, quand on se dit terroriste et autre, a ko sala mosala en interne. Mais anek alibande amboka. Ander, a ko salete, ko ye ba ba mboka mosu su ba ko kanisani ni po na Congo. Ba lingi ba sala ni ni po na Congo. Tok tozu nda kisane ki tozala ka tozi na conflit tango nyo sona Rwanda. Qu'est-ce que Namboka loko la Rwanda boiko tigna jamais un ambassadeur au yo a sali ko maîtriser renseignement.
Il faut botin dans un expert il y a renseignement. Mais professeur, puis, Jacques Njoli l'a même dit, à l'objet que sous le maréchal, bah, ambassadeur au Bazakina, dans ma pays voisin, Abisson, notamment dans la partie est, c'était plus agent. Et même des, certains Bazaki vraiment bateau au bazar, pour ne pas dire des militaires aussi. Bien évidemment. Donc là, la coquille le cotine dans la Bokonzina, tine dans la mort local à Rwanda, Ouganda, Congo, Brazzaville, Angola. Bikolowana et Sengelotin d'abaï bata ko maîtriser renseignement parce que bakosa la bino contre-espionnage de ba mboka wana baye ba quand ko la ko permettre na bino bo anticiper ba action na bango et puis même l'administration que ko accompagner bango wana et Sengeles a la plus constituée na bato ya renseignement. Donc ANRS na libande ya mboka ba mboka lokola ba France mboka lokola États-Unis mboka lokola Russie mboka lokola Angleterre Chine. En tout cas, Afrique du Sud, Nigeria, je ne peux pas envoyer bateau Bazali Moussika avec ma service one. Parce que naibi impact, il y a ma bicole ou n'est pas inabiso. Mais les services secrets, les services de renseignement peuvent aussi utiliser tout le monde. Professeur, le service de renseignement, ils allient me mettre là où ils utilisent à Kamotonioso. Ils allient qu'on recrute dans différents domaines. En tout cas, les services recrutent qu'à plus de bateaux à Maël. Voilà pourquoi on a bien repéré en ce moment là service et intelligence. Et qu'on dans tout le secteur, tous les temps mettant tous allés dans la carte de professeur. Il faut savoir contre espionnage. Parce que les lois pesant la bateau musulman, y a pas bon, pas bon, bon. Mais dit que ce qu'on bomie éducation à bateau, au bomi mboka mobimba. Donc la révolution peut partir aussi. Peut partir aussi de là. Donc et Sengeli. Bon, ça la peine à renseignement, na maïma, ko salema, na kati yab enseignant, na kati yab étudiant, donc, et sengel, ko salema, na bato, na bisikawana, dans des entreprises aussi publiques, na ba domine, na ba secteur nyonso. Voilà pourquoi, et aner, otomo, na kamabe zali, un agent de l'aner, mon koloka, ka otebi, identité, na ye, mon sala pesili. Ndeko Jacques, soko bete linga li solo, et nga na zalaka na aner, nga inayo, mon contrat à Aner et Sili, n'a pas de quoi ça moto Aner, n'a pas quitté Kobe Télé, Lissolo, Songolo. Mais pas un abus de quoi ma réserve. Pourquoi ne pas réserve? Mais pas un abus de quoi mon commande en moto qui se présente, je suis de l'Aner. Ça ne te fait pas. Mais image Oyo, ma service secret et Zanayango, au Lelo, quand on parle notamment Aner, Demiap, tout ça, combo on a, mais les gens ont peur, hein, ça, ils ont pris sa image moko, c'est la mort, c'est la torture, c'est, voilà. Et où t'as wapi? Bon, ce qui est vrai que, dans la jure, il y a un service, il y a renseignement, on ne peut pas dissocier certaines pratiques antidémocratiques dans le service ou en. Parce que même ailleurs, qu'on soit sérieux, même ailleurs, ce qui se passe dans la CIA américain, FBI, il est difficile de dire que ce sont vraiment des procédés démocratiques. Parce que lorsqu'on veut tuer, vous tombez sur un terroriste, il est difficile de soutirer des informations par un motoana. Quand on aussi fait aucune pratique mokoboye. Donc au cas bah service ou ailleurs, bah la cabane bah cachot na bango. Et là, en tout cas, tout bien, dans le pays, vieille démocratie. Mais tant que les méthodes ne sont pas vraiment démocratiques, mais je ne demande pas pratiquement qu'on utilise, qu'on emploie la méthode pour un bateau. Non, il y a la catégorie à bateau. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est difficile, pour ne pas dire qu'on ne peut pas démocratiser ou humaniser les services secrets? Oui, on peut humaniser les services secrets, mais... je ne dirais pas les démocratiser à 100%. Nous sommes un État. Nous sommes un État. Là, juste, je parle des locaux là. En tout cas, le locaux là, Molakissi, donc au Sungambo Cannabis, et Nakanissi, on ne peut pas démocratiser. Voire même plus loin, je dirais, on ne peut pas humaniser à 100% le service one. Excusez-moi un peu le terme, parce que nous parlons là de notre État. Hein, parce que je peux tomber le coup là-bas, nous sommes bien qu'il y a Nazaki vraiment inquiet dans comment on a procédé les cas qui a banné à vente à bord. Je vis comment, par moi, Bozangi Bouyibi, Bolimbolim Sangaban de Koba Magistrat, Nengani le magistrat Koutuna Motuna, et Paya, lorsque quelqu'un vous apporte l'information, vous savez, à toi, comment tu as les solos et information. L'information devient pratiquement un élément hyper stratégique dans la gestion rationnelle des États modernes. Aujourd'hui,
La guerre aux États-Unis a causé la Russie en Chine. Et la guerre d'abord et information. Voilà pourquoi mon client commune le nombre de tomber comme une air et information, air digital. On avec les nouvelles technologies information et communication. Na monde oyo na face na yango digital. Na air il y a révolution il y a révolution digitale. C'est l'information qui est pratiquement mise en exergue. On ne peut pas rationnellement agir dès lors que l'on ne maîtrise pas l'information. Maîtriser l'information, c'est-à-dire qu'on y est, bah, que pense l'autre pour anticiper l'action. Si aujourd'hui. Donc, le service secret, professeur Tonguito comprend, est un service d'analyse, au fait. D'analyse. D'abord, un service de recherche, recherche et information, récolte. Hein? Bah centraliser information, bah analyser y a justement bah ça, orientation. Ça me renvoie à ma question sur l'apport justement, apport il y a bah service secret pour un État mais aussi pour un régime, mais un pouvoir. Ils font quoi exactement? Pour un État, on n'est pas un État moderne dès lors que aux ans la service est renseignement mal à monter. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Rwanda nous fait pratiquement la guerre. Ce qui te lingi to longa Rwanda, to ko longa ye par l'information. To ka kia Rwanda lingi attaque biso, malheureusement ou curieusement, c'est le Rwanda qui saute, qui monte au créneau pour na koloba. Mais en réalité, esengeli dans nos services secrets, ba dja que Rwanda veut nous attaquer. Hein? To ka ba ngonenge nini? Par nos agents, o ba za na kati ya Rwanda, o ba infiltra Rwanda. Hein? L'infiltration na kati ya gestion ba état est anormal. Tant que le baka ba Rwanda ben infiltra biso. Ils ali légitime pour na bango. Ben infiltré biso. Biso peut tout ça la demain. Ah, on a biso infiltré, mais société congolaise est infiltrée. Donc pour le Rwanda c'est pas un péché. Donc on ne peut pas être un petit Rwanda à côté d'un grand Congo sans pour autant qu'on luka pour infiltrer. Le Rwanda a compris que le rôle géostratégique et jeu économique qui a RDC, il faut qu'on y ait. Hein? Pour la Rwanda à respirer moqué. Parce que Kokata yenda mundambu. Pour être Rwanda à respirer moqué. Rwanda sait que nako moi un petit ce qui n'a ni nako vivre à côté d'un éléphant. Maintenant, le Rwanda sur le plan international. Et ça l'a mis un renseignement. Le renseignement des autres, bah qu'on analyse ça la pona qu'on balkaniser RDC. Quand on me suit, faut sur le plan diplomatique tout ça la boyer. Bah dit maintenant qu'on anticipe. Faut tout ça la RDC boyer. Tant nous sur la RDC étant grand et en plus des possibilités parce que nakata makambango il y a aussi un élément, l'élément c'est la démographie hein. Non seulement économique mais il y a aussi la démographie. Donc géographique, il y a l'élément démographique, quota la nombre na biso na nombre à Rwanda, tant sur Rwanda ce qui boma ezali kambuya nombre capacité na biso ba ressources économiques, grandeur na biso. Mais si nous étions un État moderne, sérieux, aujourd'hui, on a un contrôle parfait à Rwanda, de par ce que nous possédons. Alors, je prends un exemple récent, Tosanayango, cette petite crise évitée entre le Congo, il y a le Kinshasa, na Congo, Brazzaville, avec la visite d'État, il y a le président Denis Sassou Nguesso, na Rwanda. Alors, on a vu que certains discours un peu virulents, il y a ba Congolais, Zaïrois, par rapport à Mokonzi à Congo-Brazzaville. On a vu la réaction du ministre et à communication à Congo-Brazzaville. Ils étaient d'ailleurs à Patrick Muyaya, le nôtre. Alors, Balobi, que c'est un État souverain. Est-ce que il est de notre devoir dans le service Nabisso, par exemple, il y a quoi espionner pour Brazzaville, quoi y a un rapport Nabisso dans 5 ans, dans 10 ans, et quoi vous allez nini, et puis vouloir comprendre vos camarades et vos contacts et Zali entre le Rwanda qui nous pose de problèmes dans le Congo-Brazzaville. Est-ce que nous sommes en droit de le savoir aussi? Vous savez, nous avons là, nous sommes en face, il y a deux capitales, hein, d'aller rapprocher Mingi Namoki. Vous allez le Congo, face à un autre Congo. Le Congo Brazzaville c'est un État souverain qui doit entretenir ses relations à Motoya Lingi. Hein? Entre les États, il n'y a que des intérêts. Et Zali Likambouya Kosala Babazie douté. Ali Kamboya intérêt. Sauf que Congo Brazzaville a estimé que ses intérêts sont plus dans Rwanda. Mais intérêt à la économique, à la sécuritaire, et à la stratégique aussi.
Mais en temps, nous estimé que Ngaï sera soupçonné à battre la Bokonsi. Ngaï, je dois plus me rapprocher de Rwanda parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a surtout l'espace Nabiso et qu'au Sibir, plus par dictat impérialiste. Hein? Surtout nos anciens colons, à un certain moment, bah, libéra Biso vraiment. Tout ça, il y a un rapport au Moko et au néo-colonialisme. Parce que quand d'abord nous sommes ici en plein en train de fêter la francophonie, hein, qu'il y ait une institution, je dirais un instrument néocolonialiste. Parce que nous faisons là la promotion de la culture et tradition française. Nous sommes là en train pratiquement à cause de la promotion à France et nous à Congo. Donc nous accompagnons un colonisateur. On exalte une langue, une culture, une tradition. Pourquoi? Parce que la France s'est dit. Au nom, il y a droit à la préemption. Le Congo, c'est un espace d'influence d'Angaï. Donc, là, je ferme la parenthèse. Donc, Ngaï n'a condamné qu'à sa soutenue, il a ses intérêts. Quand si tango ba Congolais peut être au toi, ba comment, quand même, qu'on tenir à propos paix à moi, courtois, à l'endroit de notre président. Il revient à ma service, n'a pas besoin de travailler. Tout anticiper. Ba relation wana Rwanda Congo Brazzaville tolingaki to anticiper yango sachant que notre espace s'allie un peu nacé à Bokambami et sibisaka ben influence impérialiste principalement je dirais l'influence union européenne na États-Unis donc occidentale et na union européenne ce ne sont pas tous les pays qui interviennent ici c'est pratiquement la France la Grande-Bretagne. Hein, tu es malamou et il y a aussi une sous-traitance. Aujourd'hui, j'ai dit une sous-traitance. C'est maintenant le bas. Belge. Parce que la Belgique a perdu vraiment plus son influence. Et si un pays qui a plus influent, c'est les États-Unis. Parce que même la France elle-même, les lots, a perdu moi. Vous voyez un peu comment la France est en train de perdre son influence dans la carte d'Afrique. Et les gens pensent qu'ils allaient plus monter à Russie. J'ai dit non. Quelque part là, c'est aussi un coup des États-Unis contre la France. C'est pour juste réduire encore l'influence française. Avec l'OTAN, les États-Unis tiennent à tout prix à maîtriser les couples franco-allemands, à les diviser pour mieux les contrôler. On ne peut pas laisser ces couples-là ensemble parce que tant que Kriaka est fort, États-Unis à Moudarona et Moussous. Maintenant, pour se protéger contre l'Orient, les États-Unis doivent contrôler l'espace européen. Et contrôler l'espace européen, c'est juste contrôler l'Angleterre, la France et les États et l'Allemagne. Là, juste, c'est aussi une autre parenthèse. Donc, et pas un abus comme un État souverain. Je pense, et c'est comment entretenir la relation, comment anticiper. Aujourd'hui, les décisions politiques sont plus des décisions autobengaka stratégiques. Et dans la stratégie, il y a un élément, il y a la rationalité. La rationalité politique diffère de la rationalité économique. Rationalité politique, elle est le comme sous. Toko luka, nini biso toko loko gagné. Non, mais toko sala. Et comment qu'on déjoue Moninga? Toza en droit, il y a koye ba nini toko gagné na relation Congo-Brazzaville-Rwanda. On est dans le droit. Les services secrets peuvent faire du travail. Oui, koye ba. Est-ce que ça lui nuisible pour Nabiso? Ce que ça lui nuisible pour Nabiso? Nini toko sala pour na ko anticiper. Tout ça l'était mariage wana. Tout contrôler yango. On peut aussi le contrôler. En affaiblissant peut-être Moninga Mosto, Moninga Mosusu. Alors faisons un état des lieux rapidement. Il y a un service secret, AND finalement, qui devient ANR, Agence nationale. Il y a documentation et commis jusqu'à 97. Agence nationale, il y a renseignement. On a vu les renseignements civils, les renseignements militaires. Alors il y a Honoré Mbanda qui a l'ancien conseiller spécial. Il y a Maréchal Mobutu. Il a écrit un livre. Alors, à l'obéli Makamba service secret, sous le Maréchal Mobutu, Tomeki Kozoatan, Yako Tangayango. Alobi, par exemple, l'un des grands mérites des stratèges et des visionnaires de Mobutu fut d'avoir décidé, dès les années 70-70, de rompre avec la rudimentaire sécurité publique pour créer de véritables services de sécurité et de renseignement modernes. Et loko ye matisa, loko mouya Mobutu, ezalaki koboma
service, il y a renseignement, il y a moins, mais à créer ce service, il y a renseignement beaucoup plus moderne. Alors, professeur, état des lieux, les lots, services secrets, il y a Congo, toujours la période, il y a 97, après-guerre, il y a Fidel, chute, il y a Maréchal, qui nous les lots, comment vous trouvez le service Navisho? Eh bien, des fois, je peux contredire mon Ké Ngwanda. Okay. Donc, on mérite mon Néné à Mobutu. Le mérite de stratège et de visionnaire. Tant que le Rwandais ont réussi et la Belgique, juste l'Occident, il y a où était juste Mobutu? Où était ce service-là? Le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet. Barthélemy. C'était juste un espion. Pour preuve, on a vu le trois collectifs à nationalité. Et puis, l'entreprise rwandaise ne date pas de l'AFDEL. C'est ce que les gens pensent. On nous ignore, ça ne date pas de l'AFDEL. Et puis, c'est une entreprise qui pratiquement commanditée par l'Occident. Par l'Occident, parce qu'aussitôt indépendant, la volonté occidentale, c'est là qui émiettait RDC. Débit, sécession, tout ça. Et comment juste les Occidentaux aussi nous ont aidés. Il y avait Monique à l'époque. Et puis comment Monique Angoua Chisaka, sous pratiquement la bénédiction des États-Unis, mais cette entreprise l'impérialiste, eux, on est content d'être pour le Balkan, c'est qu'on a dit mon côté. Il faut que. Mais, tozoaka vie sauf tant onini. C'est parce que sous la guerre froide, il y a d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Russie. Les États-Unis se disaient, au cœur de l'Afrique, nous avons juste l'écran Congo. On ne peut pas imiter les Congo, de perdre pratiquement, de perdre le contrôle de l'Afrique. Le contrôle de l'Afrique, et surtout de la région de Grand Lac, passe par les Congo. Parce qu'à côté, il y avait l'Angola, à qui les États-Unis ne faisaient pas du tout confiance. Il y avait plusieurs États. Les gens se moquent de la puissance de l'URSS. D'où on devrait juste maintenir le Congo. C'est comme ça que l'Occident veillait à la sécurité du Congo. Mais le même Occident travaillait aussi. Tebi Bissonstou, en 80, Thatcher avec les réganismes et les thatcherismes, juste en Amokili. Redéfinition, il y a moi, géostratégique aussi, Makassi. Où on mettra ma politique, on mettra ma politique à gestion structurelle. Pendant tout ces temps-là, les Américains travaillent. Ils savaient que nous sommes déjà en phase à convaincre ici. Maintenant, comment remanier certains espaces? Kobanda 60 et Kobanda 90, le Congo n'était plus de vraiment important pour les États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis diront on peut se dédouaner maintenant dans le leadership à Mobutu. L'ANER, ils allaient d'abord renseignement à AFDEL. Et commis ANER. AFDEL, ils allaient un conglomérat entre le maire de Rwandais, Mouzé Laurent Désiré Kabelin, congolais, bien sûr, mais c'est pratiquement figurant. Donc, ANER, ils allaient qui, évidemment, en tant qu'AFDEL, ils côté en 97, oui. C'était l'AND, l'Agence nationale, il y a documentation. Alors, ANER, au niveau de la structure, il y a des organes, il y a alliance et commis organes, il y a l'État. ANER, ils allaient renseignement, il y a AFDEL, les commis ANER et Panabiso. On a tout détruit, n'a pas passé. Renseignement va dépendre de la Rwanda avec les Bouguera. Suivez un peu les discours. Il y a deux grâces Bouguera. Alors, c'est ce qui fait qu'il n'y avait plus de top secret pour le Zaïre. Pour le Zaïre. Donc, tout était contrôlé par nos ennemis. Toi, revenir un peu à la déclaration à Honoré Ngwanda. Il y a beaucoup Honoré Ngwanda à Koloba. Pour qu'il y ait un dysfonctionnement. Alors, il y a un peu de Mokolo en Pombo. Na sali mission mais tokeba hein au comment on a déjà un dysfonctionnement dans un service il y a renseignement les contre espionnage ba kenda kanzela mon côté hein auto ben il faut que mettre ba hypothèse et multiple hypothèse na on a besoin d'enquêter sur monsieur Jacques natindi madame natindi moto musta ko tinda 4 personnes pona moto moko et na kota la ba conclusion. Toutes ces conclusions, ce qu'il m'amène, c'est ma hypothèse.
plausible. Maintenant, on a quoi analyser en pour qu'on tire ma conclusion. Même dans son livre, Ainsi sonne les glands, Honoré Mbanda dit que mais justement, la période où on a et le commandant qui a gangréné le service secret, notamment l'armée zaïroise, et ça, il y avait des conflits terribles. Ok. Entre Bango, ils ne s'entendaient pas. C'est là où j'ai dit les dysfonctionnements à Tamobutu. Baclan, hein? Baclan ou un baclivage. Au sein, il y a grande famille Mobutu. Il y a une des quatre personnes pour la Moutoumoko, il y a une conclusion. Mais quatre ans, chacun casse le rapport de l'autre. Le rapport de... Et puis, chacun a qu'on travaille pour un intérêt à clan naïe. Il y avait, tu dis, clan Bandi, clan Baka, il y avait d'autres clans. Chacun, donc, moi je dis, quand cette période-là, c'est la période où on a eu vraiment des renseignements. Bah congolais ben les bisanga parce que mon compte Instagram mais monsieur Mokwa bat pas ben non mais mes profs a tout le contre la vie non je suis un peu j'ai dit je dirais aux gens moi je grandis dans la famille oh na la la na la la na munduk ya minene sous mon butu na chambre na ngabati tala munduk na masasi donc j'ai na botte dans la famille oh yo chez nous nous étions plus na ba lien na ba armée mais c'est pas pour autant dire que na comme ça comme butu. Si quand la faiblesse s'allie, j'aime la personnalité à Mobutu, personnalité à Mobutu, mais Mobutu aussi aille aussi des failles. Mais, bah, faire ma casse pour connaître. Alors, le service secret de Laurent Désiré, au lobby, ils ont pratiquement. C'est là où tout a commencé. Le service secret de Joseph Kabila, le service secret de Tshisekedi. En tout cas, le service secret de Joseph Kabila, les alliés, en grande partie, continuation et action, y a Fdel. Qu'on soit sérieux. Debi, d'ailleurs, dans le noir, hein. On nous parlait dans moi, Trio Moko, Manaki Koko, Tambo, ça, renseignement d'Abiso. Ah, Rougiz, il y a un nom là, qui était DG ou PC dans une entreprise ici. D'ailleurs, on a vu le Bakaza, ce qui est Bokilo, ce qui est Nani. Il y avait le fameux Roubaix-Roi. Non, il y avait Roubaix-Roi, il y avait ce monsieur-là. Il y avait Bisouman Kara. De l'Ofida. De l'Ofida. Mm-hmm. Oui, Bisouman Kara, ce sont ces gens-là. Mm-hmm. Et quand au Salimoua trio, là, vous allez vous rendre compte que c'était un trio plus entre les mains des étrangers. Et on sait comment nos services de sécurité. Parce qu'il faut faire la part des choses. En air, d'aller service à sécurité. Mais en air, ne pas l'armée, moins encore la police. Mm-hmm. Nakati, il y a politique Nabisso. Intérieur, l'ANR est là pour accompagner le ministère de l'Intérieur. Donc, armée, à son renseignement militaire. Après, donc, l'ANR a un renseignement militaire, un renseignement civil. Mais, Nakati Awa, c'est plus les renseignements civils. Le ministère est intérieur. Pour orienter l'action à la police, Nabiso. Pour la Libanda, c'est pratiquement l'armée qui veille pour la protection, Nabiso, face aux assauts extérieurs. Donc, intégrité à territoire national. Maintenant, on a avalu quoi aider Batobabi, l'armée, la défense et l'intérieur pour nos renseignements. Et on a dit à Wasnip, hein, avalu coordonner. Avalu coordonner. Là, il y a même le conseil spécial, il y a sécurité à chef de l'État, bah ça risque de venir au côté na Katiwana, hein, même deux chems, hein, et au côté na Katiwana. Mais en réalité l'honneur que l'on a connu sous Kabila ne nous a pas permis d'avancer. Parce que Tébi, ce moment-là, comment l'armée était enfeltrée. Tu sais qu'il y a eu. Tu sais qu'il y a eu. En attendant, tu sais qu'il dit, ça nous faut tout faire de la nanou. Moi, histoire, mouké, pour tout comprendre. Donc, nous avons affaire depuis 1997 à un service secret moko. Un peu passoire, hein, c'est-à-dire Zaki contrôlé aussi par l'étranger. Mais professeur, une question, Zoyi Langa, la moune de Komoka Ptuniango. Mais tant que tu bandes à Kolobaka, la tournée Koyoka Yango, Mobutu Azam Mouta Seiya, ça voulait dire quoi? Ok, ah, c'est une bonne question. Vous savez? Pour le bien, Seiya est un service secret américain, ça vient intelligent. Ok. Sur Komo, Rosa Tatam Mokonze Kolonabi, Souba Komise, agent, évidemment, il y a un air Nabango. Lorsqu'on veut contrôler, là maintenant, il y a une géostratégie. Bah, puissance impériale, bah, grande puissance, il faut se lancer un espace hein, pour na, contrôler l'espace. Parce qu'il y a une frontière. Stratégiquement, les frontières des États-Unis, et bandi banda États-Unis, ti et kabani na Russie. Bah, frontière États-Unis. Donc, tout le monde a la France, l'Allemagne, les États-Unis.
Parce que si on veut attaquer les États-Unis, on attaque d'abord juste au moins autant. Hein? Stratégiquement, tous ces États qui dépendent de l'influence américaine sont des États où États-Unis a contrôlé Bango. Pour les États-Unis, si on veut faire, si les États-Unis veulent faire pratiquement la guerre en Chine, vous passez dans la Thaïlande. Il y a Taïwan. Hein? Donc moi je dis, c'est déjà influence ouane américaine. Donc les Américains récritent aussi. CIA américain a récrit Taka, bah chef d'État aussi, au service naïe, pour na kozwa, bah renseignement, a qu'on contrôlé un continent local Afrique, pour qu'on contrôlé par le biais bah chef d'État. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Parce que Yenda Gomiso, c'est ce qu'il pense l'OIA, l'Union africaine, ce qu'il pense à SADC, bah voilà, voilà. Pour qu'on contrôlé. Au-delà de la Bango. Il y a même, il y a ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas dire pas un membre. Tu sais que le père. Donc aussi, il y a non, peut-être, des fois, le service, il soit capé, il renseigne pas diverses personnalités. Il y a des chefs d'État, il y a des opposants. Certains opposants, il y a des. Je recommande, il y a un film, il y a extrêmement côté de Goma. Il faut contrôler non seulement la majorité au pouvoir, mais également l'opposition, parce qu'on ne sait jamais. Même Bango, dans l'hypothèse, cette opposition peut basculer au pouvoir. Il faut toujours avoir le contrôle. Si tu as les films, tu as les opposants. Il y a des opposants qui peuvent être recrutés aussi par bien les évidemment, services secrets, américains, oui. Étrangers. Et ça peut être un chef d'État, un Africain, mais il travaille. Oui, Bazali, et Bélé. Et surtout, si tu as l'odeur à cette tête, Bango, net aujourd'hui, on ne peut pas être président. En Égypte, ceux qui ont travaillé dans la CIA américaine. Tant que dans le printemps arabe, même si on a dit que ceux qui Égypte a eu président, au bout qu'on est aux démocrates, tout ce que vous pensez, aux frères, ceux qui sont musulmans, à Yéwana, s'il n'est pas les pions américains à travailler, les États-Unis mettraient des milliards et des milliards pour récupérer l'Égypte. Pourquoi? C'est parce que l'Égypte est un pays stratégique. Eux permettront de protéger, veiller la sécurité à Israël. Okay. C'est comme ça que les États-Unis investissent dans la sécurité. Ils servent la sécurité. Bouclier et pas Israël. C'est comme ça que ils investissent pour le service de la sécurité égyptienne. Alors, professeur, c'est vrai que parler un peu des acteurs, il y a des services secrets qui peuvent être dedans. Alors, mais justement, cette citation, il y a Honoré Mbanda, Lobby Nabisso, que Mobutu a recruté, il a voulu créer de véritables services de sécurité et de renseignements modernes. Par conséquent, Ayeko recruté jeunes universitaires. Je crois que réalisation va proposer Bisso. Par exemple, Edouard Mokolo Apombo, j'étais parmi Batouana recruté par les maréchals. On voit Honoré Mbanda, Nzamboko Atumba, Yepazala Kiona, Yemro Daya, c'est Félicita Abi, j'étais parmi. On a suivi des formations pratiquement à travers le monde. On a Mokolo Apombo, le sénateur. Je crois que la photo peut suivre juste après Honoré Mbanda. Il y a également, voilà, Mokolo Apombo est là. Ils ont parmi Batou. Alors, Mbanda reconnaît qu'il a été encadré par Mokolo Apombo, qui est son chef, justement. Tanguye, Asilisi, Kelasi, Aye, Moutou, Akutaki, Mokondinaye, Payenda, Pesaki, dossier. Il a quoi enquêter sur Barthélémy, Bisengimana, et puis voir un peu cette stratégie rwandaise. C'est y aller. Il n'y a pas à qui moque bateau, Bajiraki, service, il y a sécurité, service secret, Zaïrois à l'époque. Il y a également, Atundu, Liongo, Yepé, Azalaki, Nakat, il y a Batouana, et voilà, ils sont Kema et les autres, Baza, Moebele, il y a Nimi, et il y a beaucoup de gens. Il y a aussi un opposant qu'on y a à Bazakana, c'est pas service, Wana. Ah bon? Oui. Azalaga à travers la mine Mobutu. Il n'y a pas de service. Mais c'est le bisou combo. Eh. Bah, vieux, il est tenu vieux Jean-Pierre, il est tenu vieux Jean-Pierre Bemba. Il est tenu tout. Merci. Est-ce que c'était un bon calcul du maréchal que de recruter cette fois-là de jeunes universitaires pour rompre un peu ce qu'il appelait la rudimentaire sécurité publique, oui. C'est-à-dire, et c'est là qu'il y a un peu folklorique tout ça, mais cette fois-ci, il faut retchabatamaïer le Pascal Obagi, c'était vraiment un laboratoire, un service d'analyse. Eh bien, le plus grand problème africain, Zali, l'Afrique subit pratiquement des mutations, des mouvements étudiés
importés de l'Occident, venant pratiquement des officines qui ne sont pas portées par Abisso. Les États-Unis voulant à tout prix avoir un Congo un peu fort, qui contrôlerait, hein, bah, état Mosusu dans un espace naïe, a tché ba conseil à côté Mobutu, que bisa il faut que Bongisa boye, que Bongisa boye. Ils sont au moins à plus, pas plus aidés dans le service israélite. Hein? C'est plus l'Israël qui intervient, eux les États-Unis. Donc au moins, on a une formation Israël, Belgique, États-Unis. Et là, moi, Trioan, France. Moi, bah, toi, on a encore intervenir. Pourquoi? Parce que Zali va servir sur les Américains de dicter. Mais en tant que dicter, il y a choix. Comment? Il y a contre-espionnage. Quelles sont vos faiblesses? Hein? Comment vous déstabilisez Bino? On a l'époque on a contrôlé le Rwanda, tu contrôles qui va Ouganda, tu contrôles qui va Biko Lebele, tu contrôles qui en gros sur le plan renseignement, tu es mort à Idiarimana, comment, quel était pratiquement le rôle joué par les Congos. Mais après, vers les années 80, les États-Unis, tant on va comprendre que fini les rôles géostratégiques, géopolitiques et géostratégiques même, je dirais, il y a RDC et pas Inabiso. Bon, en tout cas, on peut maintenant s'en dédouaner, on va détruire RDC. Mais justement, au lobby Yango, il n'y a pas lobby à lobby. Lors de la guerre froide, le service de Mobutu, le service secret bien entendu, ont joué un rôle déterminant dans la défense des intérêts géostratégiques de l'Occident en Afrique. Alors, professeur, mais la défense des intérêts géostratégiques de l'Occident en Afrique, apparemment, on avait aussi des services secrets extravertis, c'est-à-dire des services secrets qui ne travaillaient jamais pour l'Afrique, mais pour l'Occident. Mais oui, c'est ça la vision. Donc, on est pratiquement des sous-traitants. Mobutu était un sous-traitant américain. Voilà pourquoi Bakou pointait le plus de quoi un agent et un CIA. C'est pratiquement un sous-traitant américain qui ne travaillait pas. Vous savez, Mobutu. Donc, un chef d'État réduit un agent. Vous savez, Mobutu a eu toutes les opportunités du monde pour changer l'Afrique et le Congo. Parce que n'importe quoi, on pouvait en profiter qu'Otonga d'infrastructures. Kotonga tissu industriel, y a malonga pour na couper sa baba valeur ajouter ma produit. Donc, on pouvait vraiment parce qu'il y a bénédiction wana. Mais comme un bon sous-traitant, comme un bourgeois comprador rien, un comprador à lobby non, moi je m'occupe na benterenga na kozwa. Hein? Oh et tika l'état linga et moi je fais la fête. C'est comme ça que quand tozala qui facilement attaqué par l'AFDEL. Parce que ceux qui maîtrisaient nos informations. Pourquoi Batika Corridor na Est? C'est parce que c'est les services secrets américains maîtrisaient tout. On ne peut pas être un État qui veut aux Alaïta et à Solo, comme Kaka. Voilà pourquoi l'inculture. On doit inculturer l'État. On doit avoir un État sérieux. Un État qui a ses ambitions, qui définit ses objectifs, qui définit même sa trajectoire. Un État qui agit pour ses intérêts. Voilà, c'est là où le rôle de l'élite politique congolaise est singulier salement. Quand je dis l'élite politique, je vois pratiquement la majorité, tout comme l'opposition, l'élite intellectuelle. Donc, je vois les académiciens. Bah, tout va bien dans l'université, wana. Pourquoi t'as dit l'ambition? Papa, n'amboko batamaye le basali. Nasi, mukolomo otokomo naka na télévision na yo, mutoko la, papa onani. Moukoka, au moins la télévision, au moins à Abemba. Au moins à Abemba, la télévision, mais la télévision, va dire, Nanyo Ndesuka. Ah, c'est mythique, nous on connaît la voiture. Au moins à Moukoka, la télévision, mais ce sont des gens que l'on peut exploiter. Bah, Moukoka, Wana, bah, Abemba. Baba Mabi. Ils sont nombreux dans ce pays. Namoni moi, namoni, d'attaque à intervention à Kouloutou Nangaï, Moukoko Samba, Nabi, ah, t'as l'intelligence à Mboka. Mais on ne sait pas utiliser l'intelligence Wana pour le progrès à la nation. On croit Moukoko Samba, à son opposant, à l'ingibisote. Ah, Moutika Babiloko Wana. Moutloko la Babemba, Ba Moukoka, Baba Mamadi. On a besoin de leur intelligence. Mais est-ce qu'avec cette modernisation, il y a le service secret Zaïrois à l'époque? Est-ce qu'on a réussi justement cette révolution au maréchal Alouka qui a voir des services sophistiqués, na recueil à renseignements, na contre renseignements et même na terrorisme naissant à l'époque? Est-ce qu'on a réussi à moderniser les services secrets? Non, on a réussi. Bien qu'ils aient cassé. On a réussi pratiquement à caporaliser le service secret. C'était maintenant des services secrets qui travaillaient pour les comptes du maréchal. Pour na autrement qu'à appropriation na reproduction à pouvoir naïe lui tellement qu'à l'obinga il m'obtient tout c'est co et c'est engel na ou mais la libéra na bokonzi
Maintenant, le service des renseignements est quoi accompagné pour Bokonzinangai. Et aujourd'hui, nous avons des services des renseignements, pas au service de l'État, mais au service des individus. Donc, un service de renseignement qui veut travailler, qui croit que Monsieur Tshisekedi, le président, restera azali inamovible. Non, c'est un service de renseignement. C'est que les ala d'abord pour n'abanterer à l'État. Ndeko Tshisekedi azali un individu à koleka. Les lois azali tangonaye azali ko symboliser mbo kanabiso. Donc c'est que les peut veiller. Toko lingate le coup d'état il a yé. Toko sala boy les services doivent juste quoi accompagner yé. Mais ko sala plus pour n'abanterer. Et la terre va servir de renseignement pour nous sungaï des pèses. Non. Dans le bon côté, parce que je ne peux pas dire ça quand même. Hein? Mais dans le bien, c'est la tête au monde qui a servi de renseignement pour Nafdel. Donc on a CPRD. Donc on a MPR. Mmh. On a même aujourd'hui bah, armée au service à Bakan. Depuis Mobutu qui nous le lot, on a des armées au service à Bato. Nous avons les DSP, SARMA, des services pour Mobutu. Nakabila, tous les Afdel, service à renseignement pour Bachikata, les lots. Le but qui n'a pas nani. On les a appelés comme Bamoura. Il y a Kabila. Comment dans un pays comme on a garde républicaine armée au manébélé, budget de manger l'équipe budget armée au manébélé, ébélé, mais c'est inimaginable, inimaginable. C'est que nous vivons dans ce pays, c'est nous tous à la rupture. Tout le monde en a nous écolo. Mais évidemment, ce qui est arrivé dans Niger, avec ce coup d'État, il y a président Bassoum, et ça justement parce qu'il a voulu notamment toucher la garde républicaine, évidemment, mais qui colouka ça, le changement, et puis situation est balouké lié avec l'ultimatum à CDAO qui n'ont dimanche. Alors, professeur Tolingi Tolobela, les services secrets de Félix Tshisekedi. C'est vrai que Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve Kalev Mutonde, et puis après, c'est Hervé Mbelou qui vient, Madjouen Abango, et puis, et maintenant, nous avons le colonel Loussa Dissou, Oyo, à Outi Kozala, récemment nommé, la place, on a, je crois que photo naïe, et Zali, voilà, il est là, colonel, ex-phase, médecin, cardiologue de formation, et il a été dans l'ex-phase Forces armées aïroises, dans DSP, et Batumsouba qui est plus loin, Balobi, de temps en temps, avant d'être à Tika quitté, qu'au solo, la Masolo et à Congo, surtout à Masolo et à Armée, tant qu'on a été en exil depuis 97, et il en parlait d'ailleurs, na Étienne Tshisekedi, avant d'être au solo là, bah, des réflexions autour, il y a Armée, et finalement, il y a des PCIers, service Wana, il y a renseignement congolais, et puis na CNS, na sécurité, il y a chef de l'État, Ezali, professeur Jean-Louis Essambo, Ezaki na cour constitutionnelle, professeur de droit constitutionnel, et doyen à faculté de droit à l'université, et il y a Kinshasa, et voilà, Yende Azui Sikaoyo, après François Beya, après, et voilà, Jiseka Bongo, Yende Akomi na place Wana. C'était la cour à droit administratif, je crois bien. À enseigner, yo. Oui, comme c'était hein, à l'époque. Chef de travaux. Ouais, ouais. C'est un bon choix. Est-ce que le chef a sali choix, il y a malamou. Ah ouais, on ne veut pas tout ça la focus sur les individus. Mm-hmm. Mais toujours, bah, sur base, il y a principe, il y a réforme. Est-ce qu'on on ressent souci ou on est comme Bongola, bah, service secret Nabiso, en nommant les deux? Oui. Pour Nangaï, le choix est sali malam. Nako bango pe moins rationnel. Moins rationnel. Kasi nako senga koti kala bango pe moi-même, on a libre. Mm-hmm. Bah, travailler réellement pour na boke kende liboso. Ndeko Tshisekedi, président de la République, na kanisaka tango tolobaka, tango bata benga kaye congolais, de père et de mère. Na kanisi si mané pe sengel to tika lata na moi, laissant koloba, non, na yi de père et de mère. Quand bien même il a échoué lamentablement na ba question à gestion économique, mm-hmm. Mais tolobata na sur le plan sécuritaire, ce monsieur nous a aidé à relever un peu notre niveau. Hein? En tout cas, tout le bangai na mona moi be fort na ye, hein? Mais tant qu'on a il a tenté na makambo ya ba ya esto alba qui a nini et état de siège. Vous avez compris que le messieurs de Lucas Zobunda hein? Alba qui non ça c'est quand même de la bonne volonté. Des efforts sécuritaires. Des efforts na mona qui be fort. Si c'est pas là il y a des efforts, mais quand bien même moi népotisme ndé le qu'on a qu'on reproché. Mon combo, quand bien habitué, c'est ce qu'il dit. Népotisme, nakati, ba nomination.
si on veut des services de sécurité forts, efficaces, tout part. Nous avons la magistrature militaire, hein, cour militaire, wana, quand vous nommez, il faut vraiment tenir compte plus de critères, éviter le népotisme à ce niveau-là. Je mets quand je suis dit que wana, na moni ke souci ezali, mais à l'ouka, bah collabor imposer bah moi collaborateur t'es, hein, parce que des fois on est en bah politisation, bah bah service, politiser bah recommandé, bah recommandation soit moto soit lingité. Bon, lui aussi. Il ne faut pas battre la boum, battre la moussala naïe. Des fois, on dit que les conseillers ne mettent que des avis consultatifs. Hein. Si le chef ferme l'oreille, on peut être un très bon conseiller. Mais ceux qui chef a kokaoté, en tout cas, moi, j'ai appris ça. Même si comme conseiller à tous les niveaux, tu émets des avis consultatifs. Ceux qui chef a kokaoté, un conseiller a toujours la tendance à battre la boum, hein, parce que ça survit aussi en dépend. Donc, Nakanisi, Kotik la bande Kouana, un peu main Ouana, parce que le Congo a besoin des services de renseignement extérieur et intérieur forts. Donc, même le choix de nos ambassadeurs, et c'est que les a dicté plus d'éléments Ouana. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un État menacé. Vous savez, le monde subit autobien à moi, mouvement, mutation, en agio, géostratégique, hein, avec l'avènement y a BRICS, hein. Moi, mon guerre Ouana, Risso et Ukrainienne. Ils allaient guère moko, ils allaient pour repenser aujourd'hui juste la sphère, hein, géostratégique à Mokili. Hein? Omoni, Makambo, moi, remise en question à dollar Rwanda. Hein? Ce sont des questions essentielles, il faut prendre en compte. Omoni, États-Unis, salut moi, à Matissi, ton directeur naïe. Bah, tu vois, il faut, ce sont des questions essentielles, toi analyser. Pourquoi pas salir Yango? Hein? Pendant que les prix sont là, que c'est quoi Bango? Mais bah, BRICSP, qu'est-ce qu'il nous apporte? Parce que les gens pensent que non, bah, révolution, c'est toujours au profit. Des fois, moi j'ai dit, dans nos analyses, surtout en Afrique, on veut surévaluer la force RIS. Tout le monde peut surévaluer, bango, en tout cas, tout constaté. Moi je dis, s'il y a une force, parce que même la Russie aujourd'hui, a vu que la Chine, a siège où il y avait une noté, hein, la Chine est parmi les superpuissances. Russie, c'est une puissance. Les États-Unis, c'est une superpuissance. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre aux États-Unis avec ces budgets-là. Hein? Ou katanakaka. Alors, Mais on va être dali kambouya moi tout bien kaka équilibre des terres. En armes nucléaires, pas en armes nucléaires. Bon, moi, dans mon cas, dans mon monde qui paye. Hein? Au bang à paye, au bétail, mais il y a un monde qui parle de monde qui. Attends, il y a un monde qui est belé. Il y a un monde qui est produit rapidement. Il y a un monde qui est un monde qui est pour bétail. Alors, C'est un professeur peu ça. Jean-Louis et Sambo, na CNES. La sécurité, il y a chef Félix Tshisekedi, revoit, chargé de la sécurité. Côté OPNR, il prend un ex-phase, un colonel militaire, Oyo Atiwana, pour gérer les renseignements. La période préélectorale, la période où il y a tension, d'agression, situation auto-zanayango avec le voisin. Quelle vision, au fait, Makanisi a fait ce qu'elle dit au début, Riango, au fait, t'as pensé la nuit. Bon, oui, et puis, lorsqu'on veut juste réduire toutes nos actions, kakana ba vérité, nabiso électoraliste, on croit toujours que tout ce qui se passe, c'est pour l'élection, à l'ingar répondu pouvoir, naïe, je dirais, bon, peut-être en Afrique, un peu l'objectif majeur, c'est pour répondre pouvoir, mais Makanisi, na bambilongi, il faut aller au-delà du pouvoir. Hein, au-delà de la reproduction à pouvoir. Félix Tshisekedi a tout intérêt. A tout intérêt à côté qu'à la paix combo dans les annales de l'histoire. On peut, aucun président ne réussira dans tous les secteurs. Donc je peux peut-être échouer dans le secteur de gestion économique, mais échouer dans réussir dans le secteur tel. Donc on ne dira pas, parce que personne ne peut dire que le bilan de Tshisekedi est zéro. Personne ne peut le dire. Hein? Non, on ne peut pas dire ça quand même. Ils sont sérieux. Hein, soit en série, on ne peut pas dire ça. Il a aussi ce secteur au pays qui est Awa, Makas Nangaï. Ça peut être un, ça peut être ça peut deux, être ça peut un être ou trois, deux. quatre, cinq. Oui. Moi, tout le monde est à zéro. Mais Nakamisi, il est normal, dans ma période où il y a moins de turbulence Makas. Même l'Afrique est secouée. L'Afrique est secouée. Ce n'est même pas juste l'Afrique. En Afrique australe, ça peut aussi, Ezali, n'a pas effet aussi hein, d'entraînement. Donc l'Afrique est secouée. On doit prendre des précautions. Non seulement ça, on est en face à ma voisin, on va l'ingibi sauter.
Il faut renforcer nos capacités. Il faut renforcer nos services de renseignement. Ces services déterminent action makasi à armée na police na biso. Mais il y avait ce changement également dans Rwanda. On a revu pratiquement les systèmes sécuritaires rwandais aussi. Donc, je pense, il y a maintenant, moi je dis, il faut qu'on fasse accompagner en on a moi action moko boye, il y a politique extérieure, il y a solo. C'est-à-dire diplomatie na politique internationale na biso. Hein, parce que donc, moi je veux juste qu'on ait aussi une politique extérieure efficace. C'est-à-dire une bonne diplomatie. Na ba eta o mon na ka moi stratégique wana. Il faut envoyer des gens dignes. Tolongo la ba choix moko ya ma népotisme. Onde konanga o muta parti so ginini. Faut que ça la ba choix moko rigoureux. Hein? Parce qu'à un certain moment, il faut que quand on ta servir nation. Hein? Naba conformer ma technicien. Ma technicien ya solo. On va retourner pendant mboka na ma diplomatie. Na makambuya autobengi politique internationale. Ya biso na organisation internationale mo mingi wana. Même ba sous régional tout ça, il faut des bons techniciens. Na ba ta bomoni ki peut-être ba makabana mo mingi. Tu peux envoyer ne batumba to mosusu. Mais na ba ta wana. Pour que pour renforcer yango, ça peut nous aider avec des bons services de renseignement. Il y a qu'au maximiser l'effort, il y a renforcement de la capacité des services de renseignement avec la loi de programmation militaire, une loi que je mets, là je salue pratiquement, bah, initiateur, il y a loi, c'est une bonne loi, mais loi, quand bien même, il faut tout renforcer, et qu'on renforce les capacités de notre armée. Quand je dis capacité armée, il y a formation, achat. Il y a matériel de guerre. Les lots armés, les lots, c'est plus service secret. Oui, service secret. Service secret, dès que ça l'était, matérialisation secret, et que ça l'est armée, la police. Okay. Donc, il faut avoir aussi une bonne police. Bazali lié. Une bonne armée. Une armée équipée, formée, une armée où bato bazali na moi rémunération pi à malamo. Au moto pebike na la moi soins médicaux na tikiba na ngai na ko na moi na ke front pour na mboka oui mais kasiba na très peu malamo et puis policier o ayebiete j'ai aimé l'actuel l'entrant na ville à Kinshasa to monier quand même to betele mo maboko moke mais na maboko te a le général Blaise Kilimbalima ezalate mais bébé singa vraiment c'est un monsieur intelligent hein na j'ai aimé d'abord ba bomba pa mesure na ya bandeliwana. Mais ma belle congolais bah d'accord bien. Ah ben la musique est bandelo quand pas a commis tel le bumune na azongi na vali na yekuna. Eh na début na mona j'étais surpris. Même si na yé on avait ah bon c'est mes amis ok. Peut-être ça peut marcher na yé mais à continuer bongo. Donc nous voulons ces services là. Et les ali le fondement d'un état. L'armée d'abord sécuritaire. Bah, mais, et économique. Mais c'est quoi conséquence? On termine par là professeur. Quand on perd bah, service de renseignement. Ça dit, ce qui est baby. Ce qui est service de renseignement, ils atteignent, ils sont sous le bas, moyen, prise en charge, tout ça. Ce qui est service de renseignement, ils ne sont plus sophistiqués, ils ne font plus le travail. Ils ont un béba et qu'ils ont un nini et qu'ils ont un comme conséquence pour Namboka. Moi, conseillement, on enseigne à Bato, il y a un service à la sécurité. Il y a journaliste. Parce que Bato, il y a un service à la sécurité, il y a un journaliste. Tout le monde, il y a un journaliste à Aner. Et ça les macate. Tu peux être journaliste à 1 heure, mais il n'y a pas de gérer. Pour moi, ça les langues, le ban amitié, le rôle amateur. Et malheureusement, on a recruté des journalistes un peu amateurs. Mais est-ce qu'on peut recruter un journaliste un peu dans le service? Oui, il faut recruter des bons alors. Des bons, des gens intelligents. Ne recrutons pas des alléluies, des dialogues. La question est posée à Bandeli. Kolobaboye, que finalement, on a recruté le professeur. Mon a eu peine de tout à Noki Mayo. Les lots sont. Tu travailles dans le service. Maintenant, ceux qui n'ont pas travaillé dans le service, même moi, c'est un peu battu. Moi, c'est un peu battu. Bon, quoi, bon, 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 on m'apprenait tout le monde à bouiller place dans le temps de la combattre. Ma boca voisin, mais tout le monde à boca, mais tout le monde à boca, tout le monde à barrer, mais on a ma boca. Les ex-faces, mais barre dans le bas. Tout barrer, tout le monde à consigne, mon but qui est bêtaté. Donc je connais. Moi je sais que le renseignement, il y a les bosses, même moi si vous l'allez naïe, vous faites l'inenda, vous m'en aïe bâté. Donc, d'être dans le renseignement à solo, dans le journaliste, dans le salamoussa, très bien.
Quand vous faites gestion là pour critiquer le gouvernement, ça ne se passe comme ça. Mais pas d'habitude, on se voit comme dans l'enseignement, comme tu sais que Dieu, mais non, tu n'es pas là pour tu sais que Dieu, tu es pour l'État. Tu es là pour l'État. Mais pas d'habitude, bon, tellement que ça, c'est l'amateurisme. On lui dit, Kambouya, perdre le service, dès que ça peut coûter quoi dans la République? Mais écoutez, Bino, d'abord, beaucoup est faible. Tout État fort, c'est un État qui a de renseignements efficaces. Hein? Russie, KGB. Hein? Mossad, Israël. Israël. Ici aussi, FBI. Donc, l'État, toi, na, et Zali, na Chine, on ne devient pas président. Hein? Et ailleurs. Donc, dès que vous perdez renseignements, Nabino, vous devenez un État dans la rue. On peut vous balkaniser ce que balingi, on peut vous infiltrer comme on veut, on peut vous mietter n'engue balingi, on peut même vous imposer quand tant vous réussissez à Kouyaka, bah imposer ici président, hein? Président ouais ça l'a été réussi et Panzana. On peut même vous imposer un président. On a vu Mobutu exemple Mobutu a commis faible, Gorbatchev. Mobutu a commis faible. Tant Mobutu a commis faible. Je dirais le Rwanda et l'Occident. Le Rwanda comme un sous-traitant. Ouganda, Rwanda, bah sous-traitant. L'Occident nous a imposé l'AFDEL. Merci, professeur. Et l'AFDEL a détruit le pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup voire de même choses. Plus loin, on va nous imposer Joseph Kabila. Mais à bien lire le texte, on comprendra que AFDEL, c'est vrai, a coûté déjà un service secret, une armée, et ça a déjà un problème depuis qu'à là. Alors, ça a commencé déjà avec Obeba. Donc, en interne, un problème, et ça a coûté, on était déjà affaibli, mon lobby, infiltration, na bango, et si Bandaki depuis qu'à là, ils peuvent être aussi derrière cet affaiblissement, il y a armée, il y a un service secret, Zaïro à l'époque. Vous avez vu qu'on a un grand forum, il n'y a pas de sujet tabou. Mais tu as tapé dans le coin pour en parler, comment est-ce que le bazar fonctionnait. Important, c'est le service secret. C'est vrai que le bazar est belé. Le bazar Colanda, vu sur la CNS, partout, à l'ANER, partout dans le service. Au bazar Colanda, oui, à un certain moment, ils ont une branche, il y a État, et c'est que tu as lobé l'ingo, tu as discuté, tu as mené ma réflexion beaucoup plus équilibrée, rationnelle, pour une bonne marche. Il y a un bon cannabis. Depuis longtemps, tu as Congo, ils ont fait dans ma belé. Alors, il faut quand même te tenir parmi les instruments. Notamment les services d'intelligence. Alors, ça vaut la peine. Il y a Kolobelamo, toutes les expertises. Et Batama, je crois, que Bakoyoko Bima va exploiter Bango, va saler là, Maye Lewana, pour que Tozongisa, Congo, na influence Tango. Professeur, c'était un plaisir. Il y a Kozanabiso pour Nako réfléchir autour. Il y a sujet délicat, très sensible sur les services secrets. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Jacques. On a passé par Nabiso. Merci Mingi, Zali Pouna et Mboki Kendeliboso. À un certain moment, on doit dépasser un peu nos vélites, opposition majorité. Si on a que le Congo comme pays, Nakanisi, Tinani n'était qu'au Sungané Mboki Kendeliboso. Parce qu'à un certain moment, pour Nabiso Koma, ça marche. Ate Simbite, Tolini, tu détruis encore. Or, nous détruisons les Congo. Congo de Zali, Mbokoyo. Tu sais que tu as Kendaka, Mouzi, tu as Kendaka, Fayou, tu as Kendaka, Kongo, tu as Kabakoko, Batika, tu as Kabiso, tu as Kabiso, tu as Kabiso, tu as Kabiso, tu as Kabiso. Je prends également cette chanson taboulé à Lobby, mais Congo, à venir, à Tindiba, à Neba, Kindekotanga, Lobby, Bakoya, Poba, Babongo, Lengo, et je crois que c'est peut-être le moment, Banawana, expertise, Nabango, Baya. Retrouvez cette émission, à 20h juste en rediffusion, et vous allez disponible en ligne toute la journée déjà, et voilà, Tokouté Nabino, semaine prochaine. Ça sera après la francophonie, professeur. Encore une fois, merci. Merci. Nabino, au revoir. La deuxième invitation.